Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. C'est le matin, j'ai une tête de mec qui vient de se réveiller parce que je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je voulais te dire deux choses. Première chose, c'est cool de regarder les vidéos sur YouTube, je pense que tu peux apprendre pas mal de choses, mais dans la description, tu vas trouver une formation gratuite. Et en fait, cette formation gratuite, c'est plusieurs vidéos, ce n'en est pas qu'une, c'est plusieurs. En tout, il y en a pour 3 heures. Et en fait, si tu veux, c'est un truc que je ne parle pas forcément sur les vidéos et je pense qu'il peut être hyper intéressant pour toi d'aller voir. C'est le chemin global de comment tu fais en fait en partant de zéro pour devenir financièrement indépendant. Parce que sur YouTube, on va parler de plein de choses différentes. On va parler d'immobilier, on va parler de location de voiture, on parle parfois des terrains maintenant, on parle de parfois même de plein de choses, tu vois, de plein d'investissements différents. Et ça reste un peu flou. Dans un espèce de… bah voilà, c'est flou. On sait qu'il y a plein de choses à faire. On peut faire plein de choses. Mais il y a un ordre en fait. Il y a un ordre et c'est important de rester focus sur l'ordre, sur le chemin, sur… tu vois, il y a vraiment une organisation à prendre pour faire les choses correctement. Donc, dans la description, tu vas voir, il y a plusieurs formations. Il y en a, c'est immobilier, il y en a, c'est location de voiture, etc. On s'en fiche de ça, on ne prend pas. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formation gratuite. Donc, tu vas sur la formation gratuite, ça te fait atterrir sur mon site et tu as accès à plusieurs vidéos que tu peux regarder quand tu veux, même à travers ton téléphone portable. Tu as accès à plusieurs vidéos et tu vas pouvoir, en fait, si tu veux, comprendre le cheminement à avoir pour atteindre l'indépendance financière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation à faire. À toi de voir par rapport à ton profil, ça, j'explique tout ça là-dedans. Pourquoi je ne le mets pas sur YouTube? Parce que c'est 3 heures de vidéo, donc au moins voilà, tu as une petite formation, c'est clair, c'est plus précis que sur YouTube. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller faire, à suivre ce cours, en fait tout simplement parce que ça va vraiment t'éclairer, te donner une idée de ce que tu dois faire, comment ça marche, comment tu dois faire. Ça, c'est tout pour cette partie-là, je te laisse tranquille avec ça. Maintenant, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, je t'explique. Je t'ai déjà parlé que j'ai loué un van. Ça marche de feu de Dieu. Donc, on monte une société de location et revente de vannes. Tout est organisé, on est une super équipe, voilà, tout est fait. Tu vois, on a l'argent, on a le travail, on a des idées, on a tout. Sauf un truc, il nous manque le nom. Et le nom, ça fait chier parce qu'en fait, on n'est pas beaucoup d'associés, tu vois, on est une toute petite dizaine. Et ben, il va y en avoir un ou deux qui va dire « Ah tiens, on propose ce nom » et tout le monde va dire oui ou non, mais en fait, on sera que sur 7 votants, donc c'est pas beaucoup, tu vois. Donc, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour que je vais te soumettre 3 noms différents et que tu me dises en fait sur ces 3 noms, lequel est le mieux. Tu vois, lequel toi en tant que client, on va dire, si tu tombes sur… si tu tombes sur une pub avec ce nom de location de van, ben, ça, voilà, lequel tu trouves le plus sérieux ou en tout cas lequel t'attire le plus parce que ce n'est pas des noms hyper sérieux, lequel t'attire le plus. L'idée de ce nom, c'est d'essayer que juste tu vois le nom et t'as l'idée de l'ambiance. L'ambiance, c'est quoi? C'est la van life, c'est tu prends ton van et tu es libre et tu vas où tu veux, tu sors du monde classique, tu vas en haut de la montagne et tu te mets quelque part et… Et voilà, tu fais des randos et le soir, tu es sous les étoiles avec ton super van, tout équipé. C'est trop bien, tu vois. Et la liberté. Donc, on a pensé à quelques noms. Et j'ai vraiment besoin qu'une fois que tu vois cette vidéo, tu me laisses en commentaire. Tu n'as pas besoin de me faire un long message. Juste, tu mets le nom que tu préfères. Et comme ça, moi, je vais voir un petit peu. Et selon le nombre de votants, ben, on va se diriger vers ça. Parce que voilà. Donc, on a pensé au premier nom. Premier nom, c'est quoi? C'est Exit. Tu vois, Exit, comme tu peux voir partout, c'est genre porte de sortie, tu prends le van et Exit. Deuxième nom, on a pensé à Hakuna Matata. Hakuna Matata parce que c'est pas de soucis, la vie, tu vois, comme dans le film, quoi. Troisième nom et dernier, on a pensé à Évasion. Évasion, le sans le S, mais avec un Z, tu vois. Évasion avec le Z. Et si on fait tomber un petit peu sur le côté, ça fait évasion et en même temps van. Tu vois, il y a le mot van dedans parce que le Z est un peu tombé de côté. Et du coup, un Z de côté, ça fait un peu un N. Bon, ça, je sais pas si on va vraiment arriver à faire ça, mais voilà. Donc,
S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, vraiment, si tu veux m'aider aujourd'hui, vraiment grave, ça m'aiderait grave. Entre trois noms, Exit, Hakuna Matata, Évasion. S'il te plaît, laisse-moi un commentaire avec le mot, enfin le nom que tu préfères. Et vraiment, ça m'aide grave parce que ce soir ou demain, quand il y aura assez de monde qui a vu la vidéo, demain, la société est créée. Et quand je crée la société, il faut un nom. Et putain, il faut le nom, quoi, tu vois. Voilà, c'est tout. Merci, je te fais une courte vidéo aujourd'hui. Demain, je te mettrai l'interview. On a fait un grand interview sur Entrepreneur Mindset qui dure 1h30. Donc voilà, donc demain, tu auras une vraie longue vidéo. Aujourd'hui, c'est hyper court, mais voilà, franchement, si tu peux m'aider comme ça, ce serait hyper cool. Et n'oublie pas de télécharger, enfin de t'inscrire dans la formation gratuite pour avoir 3 heures de contenu qui va vraiment t'orienter, t'aider à voir qu'est-ce que tu peux faire en fait, comment tu peux faire pour être financièrement indépendant le plus rapidement possible. Bon, je te laisse pour le moment et on se revoit dès demain. Ciao!